Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Tearsdown et on va aller faire la misère à la famille dans ce nouveau petit truc. Hein. On va aller voir ça. Hein. Là, les Chemicals. Et on va aller les embrouiller, hein, tout simplement. Alors, récupère les trois appareils d'identification pour Parisa. Ils sont, alors ils sont protégés par une alarme. S'ils sont déclenchés, la sécurité débarque en 60 secondes. Planifie bien ton coup. Ok, d'accord. En gros, il faudra faire gaffe à ce qu'on fait. Donc là, ils ont mis une alarme. Hein, donc voilà. Donc en gros, on va réfléchir. Hein. La famille, ils nous prennent pour des bleus, alors. Voilà, ça sera mon point d'évasion au cas où. Là, on va se calmer, on va éviter, on va faire gaffe, hein. Ils veulent pas qu'on ouvre les portes, ok. Bon. Là, il n'y a rien. Mince, allez. Bon, c'est pas grave.
Voilà, on vandalise les chiottes comme la dernière fois. Ouais, je le sens mal, hein. Au moins, on a fait la sauvegarde rapide comme il nous disait. Alors, le chargement rapide. Donc, en gros. Alors, obligatoire. Ta position, l'usine. Hop, hop, hop. Ok, ouais. Donc, en fait, on en a là. On en a un là. Et on en a un là. Ok. Il va falloir bien réfléchir avant. Ok. Bon, j'ai défoncé la porte ici. Ok, on a un là aussi. Alors pour l'instant, on regarde un petit peu hein, les trucs, comme ça me permettra de défoncer tout le bordel. Ici, il y a une alarme aussi ici. C'est pas ici, non, non, c'est pas ici. C'est de l'autre côté. C'est par là.
Ok. Voilà, comme ça permettra de pas trop se faire, de pas trop s'embêter. Allez. Maintenant, on va devoir faire ça rapidement. On s'est fait la route. Donc, on va retourner dans la. Donc, la première usine, elle est là. Donc, hop. Et avant d'aller dans cette fiche usine, on va. Allez, monte sur ces caisses. Là. Ha. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs. Bon, allez. Allez, c'est parti. C'est où leur connerie? C'est là. Donc, alors, en gros, donc je tire celui-là, là. Après. Celui-là, là. Ah, après, je dois aller par les toits. Ah oui. Ouais, je saute, je vais dehors, je vais par là. Et après. Ouais. Ok. Bon, bah, on y va. Ah mince. Ah mince, on s'est fait avoir. Bon. En fait, c'est chaud, hein. C'est chaud.
C'est de l'autre côté qu'il faudrait se barrer. Si je fais celui-là, je fais celui-là. Après, on voit. Ouais. Il y a un truc à faire là. Ouais, il y a un truc que je dois faire. Ça n'a pas marché ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bah ça aussi, ils ont déjà pété ça, donc c'est bien. Bon, au cas où si ça se passe mal. En fait, j'ai perdu du temps. En fait, il faut aller par là. Je suis sorti par là, mais j'aurais dû sortir autre part. Ouais. Ouais. Voilà. Allez, on est prêt. On peut même rentrer à l'intérieur, on peut même rentrer là. On peut même rentrer ici. Rentrer par là, hop, on court, on saute, hop, voilà. Ouais. Allez, on va tenter. Comme ça, en gros, on va rentrer dans les bâtiments comme ça, ça va le faire. Ça va le faire. Faut juste que j'oublie pas. Comme ça, après. Ok. Ouais. Bon, on y va. On y va, on y va, on y va. Je suis en train de faire n'importe quoi.
Ah, il en a marre. Laissez-moi faire ce que je veux. Ah, mais non, mais je suis tombé comme un gros naze. Bon, c'est pas grave. On va faire le chemin normal. Ouais. Bon, c'était pas évident, hein. C'était pas évident. On a réussi à se barrer. Bon, bah, c'était tendu, hein. C'était tendu. Donc voilà. Eh ben. Tu atteins un nouveau rang. Un nouvel outil est arrivé. Ok, d'accord. Pas mal. J'aime bien ce nouvel outil là. Par contre, on peut pas l'utiliser tout le temps, hein. Vous voyez, après, il y a un moment donné. Après, il n'y a plus, hein. Donc voilà. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, donc cette petite vidéo. En tout cas, le jeu, moi je le trouve assez sympa. Bon, l'émission, voilà, hein, c'est des missions, voilà, où on se balade et tout ça. Et on fait des missions, on doit casser des trucs, on doit shipper des machins. Donc voilà. En gros, bon voilà. Donc c'est un bon petit jeu. C'est un bon petit jeu. Je sais pas ce que vous allez en penser ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi je trouve que c'est assez sympa. Donc le mélange entre les effets donc rétro avec donc tout ce qui est un peu cubique, tout ça, et des effets quand même un petit peu next-gen. Hein. Donc voilà, donc avec notamment les flammes qu'on voit ici qui sont vachement bien faites. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est très important.